Alors, on se retrouve pour la partie numéro 2, étant donné que la vidéo a coupé. Mon espace de stockage était plein, donc je suis vraiment désolée, mais je mettrai bien la vidéo l'une à la suite de l'autre, comme ça vous n'aurez pas de soucis de visionnage. Donc, je vous disais, j'ai fait mon nœud au bout, et là j'ai mis une découpe en forme de cadre que j'avais reçue lors d'un échange, rose. Et là, je vais mettre la petite fille au milieu, ici. Donc là, c'est la partie déco, hein. Je vais mettre une petite fleur au-dessus avec une petite perle. Voilà. Je trouve que ça fait, ouais, ça fait mignon. Comme ceci. Alors, j'avais préparé des petites perles. Je vais mettre une rose. Vais appuyer un peu. J'aime beaucoup le petit visage là, de la petite pépette là. Ça fait joli. Alors voilà ce que j'obtiens. C'est vraiment un mini très simple. On vous avait vu, hein, il faut juste des papiers différents, faire un petit montage. Et donc voici l'album. Alors on peut, une fois qu'on défait le petit nœud, on pourra y glisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 photos, éventuellement une 11e, mais moi je dirais 10. Donc des photos qui peuvent faire maximum 8, pour laisser un petit peu de, qu'on voit quand même le papier en dessous, 8 par 11,2. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, même s'il y a eu un petit souci. Et ben, en attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.